Les ventes du Prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Yarmo, c'est le retour de Sanity en France. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est reparti après sa dernière course à Vincennes, là, où il est battu par Diego de Temps. Et il est reparti aux États en Suède. Il n'a pas été arrêté, pas juste 15 jours un peu plus cool. Et puis ils ont eu de bonnes conditions de climat là-bas, donc il a pu s'entraîner normalement. Donc c'est un cheval qui se prépare bien. Donc je pense qu'il va bien courir l'anglais. On ne peut pas parler de bon engagement, il rend quand même la distance et il y a un peloton assez bien composé en tête, 14 unités. Ouais, c'est sûr, maintenant avec le gain qui est là, on ne trouvera pas des engagements faciles. Il faut qu'il se fasse ramener. Quoi. Il sera déféré des quatre pieds, donc on roule à fond. Oui, parce que l'hiver dernier, il avait été arrêté plus longtemps. Et pour sa rentrée, il courait bien tout de suite. Donc, il court bien, c'est sa fraîcheur. Il va faire sa course. Quant à Maxwell Médé, on a appris à le connaître. C'est un très bon cheval et c'est un engagement en or. Oui, pareil, il n'a pas couru depuis quelques semaines parce qu'on attendait cette course-là. Parce que s'il prenait les gains, il partait 25 mètres derrière. Mais pareil, je pense qu'il a besoin de courir trop rapproché. Il faut juste qu'il part bien, hein, parce que à la volte il a été un peu hésitant plusieurs fois. Donc s'il part bien, il a une bonne chance. Parmi les deux, est-ce que ce sont deux chevaux qui peuvent terminer dans le quintet à tes yeux? Ouais. Lequel préfères-tu? Je pense que Sanity il a une meilleure chance pour la gagne en tout cas. Et puis Maxwell Médé, s'il part bien, il devrait quand même finir dans le quintet. Ouais.